Salut tout le monde, c'est Whoopidos et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de cette map aventure. Alors les mecs, ça me fait tuer de voir le perso avec cette tête. J'aurais jamais dû appuyer sur F5 lorsque j'ai fait ça dans la dernière partie. Je tourne d'ailleurs cette partie 2 à la suite, donc je ne verrai pas vos commentaires. Mais bon, en tout cas, voilà, j'étais beaucoup trop anxieux pour la faire. Elle est géniale cette map, quoi, les mecs. Juste excellente. Alors on est parti, enfin on est reparti plutôt. On va voir. What the fuck? C'est moi, on a changé d'endroit là. D'accord, non, on a pas changé d'endroit, mais vraiment pas. D'accord, il y a cette porte qui s'est ouverte. Les mecs, elle était pas ouverte cette porte tout à l'heure. Ah d'accord. Ok. Chambre 500. Ok. What? Ah non, ça va, putain, je me suis dit, c'est quoi ça? En fait, c'est moi qui suis nul avec les portes à boutons. Ils sont beaucoup, ils marchent. Hide, je sais pas ce que ça veut dire. They hear. Ils ont succédé, ils ont essayé, ils ont dormi. Enfin, ils dorment, ils ont. Ouais, ok. Ouais. Je fais comment là? C'est peut-être ça la solution. Dormir. Non? Moi qui me disais ok, c'est bon, on est tranquille. Comment on fait? Comment on fait pour sortir? Ah. That's my favorite band. C'est mon favori son, je crois qu'il a dit notre perso. Je le sens moyen, vous voyez. Non, ça va, c'est. Il y a juste du sang sur le mur. Ça va, c'est pas très inquiétant. On a vu pire. Putain, mais en fait, on voit rien avec cette lampe torche. Attendez, je vais voir si. En baissant la luminosité. Non, ouais, non, hein, je vois vraiment que dalle. Donc, c'est un asile, hein, d'où le titre The Asylum, c'est moi qui. My teeth, mes dents. I wish I have my leg. I should have. En fait, I but I need it, my arm for. Le travail, bon. Les mecs. Putain, j'ai peur d'y aller là. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les douches. D'accord. Ça c'est. Ah, c'est des lavabos ça, mais j'avais pas remarqué. J'avais pas fait gaffe lors du truc. Bon, les mecs, la map elle est juste géniale, hein, je vais pas vous mentir. Room number 2. Room number 3. Les leviers, j'y prête pas vraiment compte en fait. Parce que, bah, combien de fois est-ce qu'on s'est fait refermer la porte? Alors attendez, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est par où on vient, non? I wonder if this old jukebox will play the record.
Ah. Les mecs. C'est quoi ça? Et toi, enlève-toi. Putain. Les mecs. Mais c'est quoi ce truc? C'était bien pas là. Non, c'était pas ça. Ah si, putain, je croyais que c'était un truc. Non, en fait, c'est juste une personne qui rampait. Y a pas moyen de récupérer le disque? On sait jamais. S'il faut, ça peut déclencher d'autres trucs, hein. Ça pue, ça aussi, hein, comme endroit. Je m'attendais à un screamer parce que derrière la vitre, il y avait eu. C'est génial, ça me fait penser à Outlast en fait. Tout simplement. C'est un asile, sauf que dans Outlast, je crois pas que c'est un asile de base. La douleur est bonne. Pain is good. They must feel the pain. Ils ont transmis la douleur, je crois. Et y a quoi là-bas? Bon, y a rien. D'accord. D'accord, Billy. Ouais, faut pas déconner non plus. On va pas rester là. On va continuer de monter, tiens. Alors là, ça. Je me disais aussi que ça sentait mauvais. Parce qu'en fait, alors, je sais pas si dans l'enregistrement on le voit, étant donné que je tourne à la suite. What? Il y a une porte qui s'est ouverte. Mais ils sont. En fait, ils sont super doués. Mais vraiment. Bon, par contre, il y a encore un freeze. C'est quoi ces gamins? Il y a des ballons. I need to get out of here. Ouais, tu dis ça devant toi, t'as peur de rien, toi. N'empêche, là où je leur dis bravo. Quelque chose me dit que c'était pas là où il fallait ouvrir. Ah, sortir d'ici. Il a besoin de sortir d'ici. Alors, je crois que c'est peut-être la fin de la map. Ce qui est possible. Sauf que c'est pas là qu'il faut sortir. Par contre, on se permet facilement sur cette map. Ouais, les mecs, c'est incroyable quoi. Je pense qu'on peut sortir par là. Non. Très bien. Ouais, sauf qu'on a ouvert toutes les portes. Alors attendez, je crois que j'ai dû foirer une porte quelque part. C'est pas normal. En fait, s'il faut, c'est tout con, mais le truc c'est que dans Minecraft, on est tellement peu habitué à jouer comme ça en réfléchissant, quoi. C'est. Bon, par contre, on n'a pas été tant attaqué que ça. Moi, j'aurais imaginé, tu vois, vous voyez des. Enfin, des courses-poursuites et tout ce bordel. Ah, par contre, là. Il y avait quelque chose, non? Il n'y avait pas quelque chose ici impossible à ouvrir?
Eh si, il y a cette autre... Cette chambre, ouais. Alors les mecs, qu'est-ce qu'on va faire? We need to get out here and we don't... nous n'arrivons pas à chercher tout simplement l'endroit pour sortir. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh les mecs! Pantalon en cuir. What the fuck? Hein? Attendez les mecs, y a un problème. J'ai plus de lampe torche. J'ai récupéré ma lampe torche, bon. Très bien, ça va, y a pas de souci. Mais où est-ce qu'il faut aller, nom de Dieu? Ça, vous voyez, c'est... Les gars, on va pas se mentir, c'est le genre de choses qui font qu'à la fin, eh ben, les jeux, tout simplement, vous en avez marre, quoi. C'est à cause d'énigmes comme ça que des fois on est saoulé à finir des jeux comme Tomb Raider ou des trucs comme ça. Par contre, encore une fois, bah, c'est à la loterie pour Alors peut-être que dans la medical administration, il y avait quelque chose. Non. Mais en fait, à part cette porte d'entrée, je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous faire sortir en fait. Les archives, il y avait rien, il me semble. Ouais, voilà, les archives, il y avait que dalle. C'est que ici, hein, putain, mais ne me dites pas qu'il va falloir que je tente sur 100 000 portes là, parce que... Help, the screams are too much at night. I told the doctor I couldn't stand. Je ne peux pas rester ici tout le temps, je l'ai dit au docteur. Il m'a aidé. Je ne peux pas hear, entendre ce cri une fois de plus. C'est juste, I no longer have... Ok, d'accord. Bon, au moins j'ai découvert un truc de plus. Par contre, bordel de bite, mais où est-ce qu'il faut aller, quoi? Parce que là, mais il y a genre vraiment rien. Pourtant, on voit bien qu'il y a quelque chose derrière ce mur, hein. Chambre numéro tatata. Ouais, il est mal foutu cet endroit. Et pour le coup, moi, fatalité, j'ai ça là.
C'est bizarre parce qu'en fait je me disais quand même que ce genre de truc ça aurait pas pu arriver en fait. De. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y avait ici? En fait, j'espère juste qu'ils ont pas codé la logique de tout ce bordel. Non, c'est bon, c'est. Faut pas déconner non plus si. Ouais, non, moi j'espère que ça refasse quelque chose, vous voyez? Par contre, vous voyez, s'il y a bien quelque chose qui me fait flipper quand je teste des maps comme celle-ci, bah, ce sont ces musiques-là en fait. Putain, c'est quoi cet endroit? Ah, mais c'est l'endroit de tout à l'heure! Mais putain, mais alors où est-ce qu'il faut aller? Bon, les mecs à 20, si je trouve pas, j'arrête la vidéo. En fait, j'arrête même la seconde partie, quoi. Bah écoutez, moi j'en suis réduit à faire ça, hein, étant donné que la clé elle marche pas dehors. Et c'est la seule porte qu'on n'a pas ouverte. Si vous voulez, moi j'ai tenté de raisonner de manière logique, mais. Je sais pas, le mec je l'entends, il dit I need to get here, un truc comme ça, je crois. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? Enfin bref, ça voulait dire qu'il avait besoin de sortir d'ici, et c'est ce qu'il avait dit quand il avait pris la clé. Donc moi, bah, de manière purement logique, je me dis que ça peut que être ça, quoi. Ça peut que être le mec, il a enfin trouvé la clé, et voilà, quoi. Eh non, hein, y a rien, mais vraiment, c'est un truc de fou, je crois que j'ai jamais vu des trucs comme ça, quoi, où je suis bloqué comme ça. Enfin si, il y avait eu Tomb Raider, mais bon. Alors écoutez, on va réessayer une ultime et dernière fois. Y a rien. Hein. Non! Voyez, ça c'est les salles où on est au tout début, on oublie complètement. Bon, par contre, c'est quoi ça? C'est. Ça a l'air bien glauque. D'accord, y a rien. Extraction room. Oh, what are you doing down here? I don't know. I got down here, the door locked behind me, and I was knocked unconscious. Oh dear, you'd better try to get yourself out. This room looks awfully dangerous. But the door is still locked. How am I meant to get out, and how did you get in? Oh, I came in here with you. No, you didn't. I never saw you. Oh, you never saw me. But I've been with you for a very long time now, just hidden away. What do you mean? Who are you? My car crashed here 20 years ago, and I met the old manager of this asylum. They offered me a job, so I became a caretaker here. Oh, so you have a key to the door then? When I first started working here, it was dreadful. Listening to the insane cries from the patients. But the more I started to listen, the more I began to realize, they were right. What are you talking about?
They told me how it was fun to kill people. Stab them or suffocate them. C'était fun de tuer des, so des I tried gens. It out. And you know what? It was. I started with the manager. He never respected me anyway. And then the staff, and finally every patient here. They were the most fun. C'est la faute du manager, they ils understood pas, my crois, desires. Get away from me! I'm get away sorry. From me. Ne t'approche I pas can't de moi. Do that. I can't believe you haven't realized yet. I'm you. La fin est là. On a fini. On est mort. Musique par Kevin. Putain, mais oh, ils se sont carrément fait chier à faire des musiques. Bah, ça va, j'ai pas de problème avec droit d'auteur, ça fait plaisir. Thanks for playing. Et bah, y'a pas de quoi, mec. Hein. Attends, Sun-Sir. D'accord. Bon, bah, les gens, c'est la fin de cette map. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Ça fera un plaisir de ça serait cool de faire des maps horreur sur ce style-là avec la même ambiance, vous savez. Ils se sont gavés. Hein. Ils se sont gavés. Je vous dis pas. Bon, bref, les gens, le lien de la map sera dans la description des deux vidéos. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je tourne à la suite. Je sais pas si vous l'aurez déjà remarqué. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.